présenter avec le coach, eh bien, une nouvelle discipline. Non, elle est ancienne, hein, Vincent. C'est le coach. Alors, qu'est-ce qui se passe, Vincent ? Alors, Samir, je sais que Gagny, Yalou, c'est un petit peu votre chouchou. Et moi, c'est un peu mon tonton. Et pour lui faire plaisir, parce que on sait que la lutte est un des plus beaux sports de combat au monde. Ah ouais, c'est vrai. Démonstration de sambo. Je vous présente le vice-champion d'Europe de sambo combat, Andy. Et Nicolas Mbok, qui est mon ami, qui est champion d'Europe, lui. Et qui vont nous faire une petite démonstration d'un sport qui allie plusieurs styles, ouais, tout à fait. Dont la lutte, dont le kickboxing, ouais, le judo, le jujitsu. Messieurs, allez-y. Allez. Alors, vous allez voir, au début, c'est un petit peu spectaculaire. Et après, je lancerai un défi à Christine Aron. Ouais. C'est de venir un petit peu les titiller. Donc, Nico, non, ils seront gentils avec vous. Hein. Non, mais Christine, elle n'a pas peur, parce que je rappelle quand même, pour ceux qui le savent, ouais, qu'elle a commencé le sport par le karaté, hein, Christine ? Ouais, c'est vrai. Bah, on voit le kimono lui si bien. C'était pas tout à fait comme ça quand même. Voilà. Technique d'omoplata, technique d'abandon. Exactement, c'est ce qui me plaît dans ce sport. Alors, le collant, c'est pour faire plaisir aux lutteurs. Ouais. Le kimono, c'est pour faire plaisir aux judokas. Enfourchement. Et l'objectif, c'est soit de marquer des points avec les coups, frappe au corps, mais pas au visage. C'est autorisé au niveau international, sambo combat. Clé de bras en hyperextension, c'est du jujigatame qu'on fait en judo. On peut leur jeter Charles Bonnet ? Non. Alors messieurs, une petite dernière projection et après je vous envoie du lourd. C'est parti. Allez, ça c'est lourd. Ce que Gagny il aime. C'est les techniques qui associent la lutte et la clé de jambe. Gagny, une petite souplesse vite fait. Avant que Christine... une petite souplesse vite fait. Vas-y. Souplesse ? Mais oui, il adore les souplesses, Gagny. Allez, sur Andy, Une petite souplesse. Petite souplesse. Attention. 1, 2... Nicolas, avec Christine, bon la dernière fois t'as fait avec Zao, t'étais gentil. Hein. Alors Christine, l'objectif c'est que tu vas essayer de le frapper au corps et de le faire tomber. Et lui il va peut-être te contrer, tu dois pas tomber. T'es prête? On salue. Et c'est parti, premier combat de sambo pour Christine Aron. Allez, va, Christine. Allez, vas-y. Allez, regardez les appuis. Ça c'est en athlétisme. Oh oui, joli, joli. Otigari. Ah, c'était pas mal. C'est ma Christine tranquille là-haut. C'est pas mal, Christine. Et Nico, il est asphyxié, il est asphyxié. Vas-y, Christine, attaque-le, te laisse pas faire. Voilà, la frappe. La frappe. Il peut se naguer. Je sens que Christine, elle veut faire une technique de judo. Ouais, vas-y, garde le bras. Vas-y. Garde le bras. Allez, voilà. Bien joué. Allez, Renaud rapide. Il nous reste à peine une petite minute. On se salue. Avec qui? C'est Andy. Une bonne combattante, hein. Elle rigole pas. J'ai mal au dos. Allez, vas-y, Andy. Alors, fais gaffe, c'est un bon lutteur. Fais gaffe, il sait lutter, hein. Non. Alors, t'as le droit aux frappes au corps, pas au visage. Allez, vas-y. Il sait lutter. C'est parti. Il a une compète demain. Ouais, demain, il peut pas. Ouais, mais Ladji, c'est une histoire entre nous. Allez, Renaud. Ça fait 5 ans que je l'attends. Ouais, Renaud. Attention. Renaud, regarde. M'en fous, moi, je suis à Oh, c'est vrai, il est malade. Oh, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et Renaud, c'est quel un bon imbécile. Lutteur. C'est un bon lutteur. Renaud. Allez, on arrête. T'abrutis ou quoi, Renaud? Tu nous as coupé, regarde. Ça casse le côté emplacement. Tu passeras voir Florent Ouzo en partant. Oh, c'est pas vrai. Bravo, messieurs. Bon, allez, bravo. Merci en tout cas, les gars. Le sambo qui existe depuis 1930, et ça vient de Russie, évidemment. En Russie, pratiqué par Poutine. Et un des plus grands champions, c'est Emelianenko Fedor, qui était champion de judo, sept fois champion du monde ça, de sambo. Contrat. Voilà. Donc, Gagny, c'est lui très plaisir. Ça fait plaisir. Je le connais, donc... Bon allez, on va en rester là. Il nous reste pour terminer cette émission un petit live. Merci Andy. Avec Kidwise. Kidwise, c'est un groupe que l'on a invité aujourd'hui avec son titre Hold On. On va laisser tout le monde se mettre en place. Hein, vous voyez, c'est un petit peu. Allez, j'ai une portable ici. Avec, c'est de l'électropop. Un artiste guitare-voix. Son dernier album, donc Les Vivants, sorti le 10 février. Les Kidwise seront en concert, le 7 mars à Paris, à la Maroquinerie. Et puis le 4 mai prochain, ce sera à Toulouse, au Bikini. On les laisse se mettre en place rapidement. Et puis, on va profiter. Et puis, Renaud, je peux te le dire. Hein, là, tu fais comme tu veux. Je t'envoie chez Florent Ouzo. Clairement, t'es viré, là. Là, c'est ton coup.
contrat, Renaud. C'est ton contrat. Les gars. Eh oui. Bon, je vais y aller, moi. Allez, c'est la vidéo, le live. Mais attends, mais c'est mes pieds. Est-ce que tu vois cette lumière au-dehors? Elle brille pour toutes les âmes naufragées. Bien avant que ne disparaisse l'aurore, nous sommes sereins. Je vous rappelle rapidement Kidwise, l'album est vivant avec des dates, vous pouvez les découvrir sur notre site, hein, sur le site d'Apisport. On les rappelle très rapidement le 7 mars prochain à la Maroquinerie et puis le 4 mai prochain du côté de Toulouse. Superbe voix, superbe électropop, on en reste là. Je peux vous le dire, moi j'ai kiffé mon émission avec tous mes potes de l'athlétisme et plein d'autres. Christine, merci infiniment d'avoir été avec nous. La G, continue comme d'hab, hein. On reste ensemble. Yes. Gany, Renaud, Vincent, on se donne rendez-vous. Dès jeudi pour la Pisport, demain pas la Pisport, mais jeudi on est là. Allez, salut! Oh.
regarde-moi.